Et on est revenu dans le jeu, bonjour à tous, c'était Camon, on se retrouve sur Kingdoms and Castles. Je vais en profiter pour baisser la musique, puisque j'ai fait un petit café avec la musique à fond pour vous. Paf, on va la remettre à peu près ici, c'est agréable. On est bon, on se retrouve dans la saison 5, le royaume de Tecamster. On est en bonne compagnie ce midi, donc je dis bonjour à Revilo, à Soren et à Milmilo, et à tous ceux qui arriveront après, évidemment. On charge la game. 33e épisode, Allô Docteur. On va voir ça. Nous sommes en l'an 406, 4289 citoyens. Allez la game, allez le café, allez le plaisir. Piouf, ça va comme intro? Allez. Et le café est chaud. En plus, c'est top. Ah, c'est topissime. Tout de suite, il se passe des choses. On reprend depuis la dernière fois. Une flopée de Drakkar qui s'en va. Et j'ai de l'incendie là, ça crame ici. Mes charbonniers en feu! Alors, est-ce que je suis bien mis? Ouais, c'est bon. Je pense que le jeu lag encore un peu. Alors, pourquoi? Est-ce que j'avais configuré en AZERTY? C'est bon, ah oui, d'accord. Incendie éteint. Et donc, tous ces vikings s'en vont. Bon, bah ça me va. Et l'intro est aux petits oignons. Merci, mon cher Evilo. Dans ce magnifique royaume de Tecamster, on a survécu à une percée viking. J'avais fait une bêtise. C'était laquelle cité qui avait été attaquée? Je ne sais même plus. Mais il y avait une enceinte un petit peu non fermée. Et ils se sont gavés de pièces, évidemment, les bandits. La grande cité ici, voilà, c'est celle-là. On a des chômeurs, c'est cool, des inactifs qui vont pouvoir nous aider à faire des choses. Côté agricole, il faut faire le point. Donc, en balance positive, on a des stocks de blé, on a des stocks de fruits. Pas des masses, des fruits, encore. Le poisson, bah, on n'y arrivera jamais. Par contre, la boucherie, ça y est. Ah, dragon en vie. Mais du coup, je suis en train de me dire, je peux monter la musique quand même. Vous me direz, mollo sinon. Et voici, ça commence. Allez, on se fait plaisir. La reine mère, avec toute sa suite derrière. Ah, ils sont beaux. Ils sont 5, ils ont faim, ils veulent casser du booby. Et nous, on va se régaler. Vers quelle cité va-t-elle? Ah, oh, mais très motivée, la reine. Hein. Je vais encore monter le son, j'ai l'impression d'entendre des tambours. Hop là. Et ça reset la musique, t'as vu? Allez, la reine s'approche et défense, et tout de suite... Ouf! J'ai vu quelque chose d'incroyable, une flèche qui a fait un demi-cercle. Elle est trop loin pour se faire toucher. Oui, une arbalète! Oh, c'est beau. Allez, Bobby, il faut la descendre avant qu'elle crame les champs, c'est son objectif. Elle a vu les cochons à la fin. Mais elle va mourir dans la cité, elle passera jamais dans la capitale! Adieu la reine, ça démarre fort. Et pour les bobies, c'est l'heure du repas. Voilà. Une tour d'archer a été détruite. Ça, ce sont les dragons noirs, les maudits. C'est toujours ma cité de fer qui est attaquée. Allez, on va rien vous dire les gars. Nous, on répare en douce derrière. Ils mettent le feu. Est-ce qu'il va tomber celui-là? C'est un succès. De toute façon, on sait que les drakes ne nous posent quasiment plus de soucis. Ici, ça a tenu. En fait, ils arrivent à détruire qu'une seule tour. Oh, c'est moche. C'est moche, tu vas te faire tuer. Attends, j'essaie de voir. Ah. Ça ferait une belle vignette. Il se prend une nuée de flèches et il est mort. Allez, roulez tambour, il ne reste plus que un en vie, et dans 5 ans, les vikings, c'était le dernier dragon. Bon, ils ont le temps de tuer 12 bobies quand même, hein, dans les tours de défense. Feu grégeois, détruit. Allons donc. Ah oui, je le vois. C'est fait. Donc, notre cité se porte bien, le royaume de Tecamster. Je dirais qu'on a colonisé la moitié des terres, à peu près. C'est l'hiver, tout va bien, et on manque de poissons. Les poissons, bah ça c'est un autre problème. Mais on a maintenant une cité ici.
une cité défensive qui a une pointe, un roc d'arbalétrier d'archer, les nuages. Décidément, l'hiver, c'est pas top. J'ai un seul archer ici. Deux archers. Trois archers. Ouais. Un fantassin pour la porte. C'est toujours la technique que s'ils cassent la porte, les trolls, on les bloque le temps de les descendre. Bah après, les bandits, s'ils sont là, à plus de 100 drakkar, on est cuit. On arrive en l'an 408. Eh ben, écoute, on a du pèse. On est au max. On a un problème. On a un problème. On est quasiment full partout. Moi, je dis, on va faire la fête. Hein. On va lancer les places de village. Est-ce que j'en ai une par là? Oui. Ah, j'ai remarqué, on n'entend plus trop la fête après. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Les joutes, ça se passe bien. L'alimentation est nickel, je n'ai aucun problème. Le théâtre, est-ce qu'il bosse au théâtre de Soren? Non. Pourquoi? On n'a pas de poisson, on n'a pas de viande. Ah, dis donc. Voilà un objectif intéressant. Il faudrait qu'on alimente en poisson et en viande. Où est-ce qu'on en a en stock aussi? Ils sont mignons. Le problème des cochons, c'est qu'on n'en a pas des masses, quoi. 300 viandes, c'est tout. On peut même pas trop. Le théâtre étant assez éloigné. Il est là. Ça devrait marcher pourtant. Oh, le cimetière est plein. Mon petit cimetière est archi plein. On va te faire un autre cimetière de capitale, hein, y a pas le choix. Je découvre ça au fur et à mesure. Ouais, eux ils arrivent par là. Ils sont sans pitié. Est-ce qu'on ferait pas un cimetière dans les champs agricoles? Mais pourquoi pas? Allez, on va commencer. Il faut bien construire, il faut se relancer. On va renommer un gardien de cimetière près des vergers. Allez, au soleil, pour une fois. Et on va se faire un cimetière assez propre. Ou pas. Hop, on va faire ça. Voilà. Il y a besoin apparemment. De ce côté-là, c'est bon. C'est le temps des moissons. Je trouve qu'il y a beaucoup de nuages hein, dans ce jeu. Ça, j'ai pas trop de secrets de disponibilité. Des cochons, il y en a des masses. Il y a peut-être pas assez de bouchers. On va en poser un deuxième. C'est peut-être ça le problème. Et on va l'installer ici. On verra après ce qui se passe. On reviendra sur le théâtre. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de faire une nouvelle colonie ou alors des cabanes de pêcheurs un peu plus? Je suis revenu à la pointe nord. Là, on a des poissons. On va dézoomer. Sans nuages, ce serait bien. Il y a plein de poissons, là. Il y a du fer. Est-ce qu'on a des loups? On a des loups. On pourrait venir là. Est-ce que j'ai une compagnie d'archers disponible? On a un archer ici, mais j'en ai besoin. Et là, j'ai refait des fantassins à gogo. Super. Écoute, on va envoyer les troupes d'abord en position. Là, ça défend. Voilà. On va trouver ça. On repose les troupes. Et on reprend la main. Sir Unfire. Mon petit gars, tu vas aller tête à la Cité du Nord. Oh, je suis pas sûr qu'on risque quoi que ce soit ici. C'est toujours cette ville-là qui est un peu compliquée. On va mettre deux troupes ici, au cas où. Je le sens pas, je ne sais pas pourquoi. Et on va recommander une compagnie d'archers pour nettoyer les rochers. Ça serait pas mal. On a des chômeurs. Et la trésorerie se porte super bien. On va en faire quelques-uns. Et on va jeter un œil aux marchands.
Allez, on achète du porky. On achète du poisson. Des cailloux, on a refait un stock monstrueux. Donc on n'a pas besoin de plus. On va développer la pêche et après on fera une nouvelle colonie. D'ailleurs, j'ai de la place ici. On a beaucoup de place, il y a l'église. On va poser ici des trésoreries. Ça va faire mal. Les vikings vont être tentés. Ouais, on pourra en faire une ici. Une là. Au niveau du bonheur, comment ça se présente? Ça manque de bonheur. Ah oui, dis donc, on a beau combler un max, ils sont pas contents. On va refaire une taverne ici. On va pousser le bouchon. Et derrière, on va mettre des décos. Un parc. Alors, on a combien de carrés derrière? Deux, je dirais. Une rangée d'arbres. Juste comme ça. On fait simple. Et ici, on a encore de la place. On va faire une petite statue. Un chevalier sur son destrier. Hop. Voilà. Pour le bonheur, c'est fait. Pour les cochons, c'est encore une autre histoire. Alors, du poisson ici. Oui, là, c'est un peu compliqué. J'ai pas envie d'ouvrir. Ici, on peut faire un pêcheur. On va le connecter où? Ouais, ici. On va faire ça comme ça. On devrait être bien. Et on va voir si notre soldat d'élite, l'archer, est prêt. Oui, j'en ai un. Sire Andirir, ou Andir, viens avec nous. Ton rôle, nettoyer les loups. Parce que on va se faire bouffer les bobies, je le sens. On va amener le soldat ici. Ça c'est bon. On va attendre. C'est l'hiver en plus. On va se réchauffer avec un bon café. Il faudrait pas tarder. Dépêche-toi, dépêche-toi, parce que les bobies posent des routes. Ils vont se faire croquer ou pas? Non, ça a l'air d'aller. T'es venu jusque là poser le bois. Je vois toujours pas le soldat. Et sur le plan, on le voit pas non plus. Est-ce qu'il vient vraiment? Ah, il est passé par la forêt. Et ça y est, nettoie les loups. C'est bien. Comme ça, on va faire toute la côte. Jusqu'ici. Et peut-être qu'on pourrait faire une autre cité. Alors, dans le chat, si vous avez envie de m'aider, vous me dites dans quelle zone de l'île vous voulez. Là, on met vraiment nord-sud, propre. Alors, il y a ce petit coin avec le fer, là. Bof. Je regarde un peu. On va dézoomer. Ici, c'est trop près des cités, je pense. Ou alors, on a agrandi celle-ci. Celle-ci, il y a quoi, la base? Carrière de pierre. On pourrait faire un port ici. On a toute la péninsule là. Ou alors on fait la péninsule au sud-est. Ce petit coin là où il n'y a pas de cailloux, ce serait un challenge. Tout coloniser et tout fermer là. Avec un petit pont qui rejoindrait la ville du nord. Et il nous reste aussi à la capitale, par ici. Là, ça serait chaud. Une zone agricole. Peut-être pas une ville, mais peut-être des champs. Mais ça serait l'horreur, là. Ça serait l'horreur. Ça serait marrant. Et la péninsule du Sud, évidemment, qui n'est pas colonisée. Je sais pas ce qui vous botterait, qui vous ferait rigoler. Prenez votre temps. Pour l'instant, moi, je pose des pêcheurs. Vous réfléchissez. Sinon, je proposerai, hein. Évidemment. Les loups, mon tech, c'est fait. Alors, mon cher Bobby... Oui. Oui, il y a d'autres loups, évidemment. Nous, on va dérocher.
Ça, plus de loup. On va même nettoyer un peu. Hop là. Voilà, on va enlever tout ça. Parce que on a les boss. Les Vikings arrivent dans 2 ans en plus. Ça va être la baston. Puis il faut que j'enlève les arbres là si on veut passer. Ça veut pas couper? Voilà. Les loups, c'est fait. Non, il n'y en a pas ici, je pense pas. On va peut-être dérocher alors. On n'a plus d'outils, c'est pas grave. En attendant, mon cher archer, ta mission, défendre la cité. Tam tam, tam tam. On va le laisser là pour l'instant. Hop. Et on va laisser même les bobies venir. Tout couper. Est-ce qu'ils pourraient pas venir ici? Je vois bien une douve en fait là. Je sais pas pourquoi. Le truc de ouf. Ah oui. Ça pourrait être marrant de faire des douves. Juste protéger ce côté-là. Hop, on va bloquer ici. Ça sera un flanc de château. On va les laisser déboiser. Grands travaux, là. Ah, puis c'est hiver, on voit plus rien. En vignette, un écran blanc, c'est pas génial. Je me le prends au cas où, mais... Ah, c'est bon, le petit pêcheur, ça tourne. Donc ici, il n'y aura pas de cité, là. C'est trop court en terrain. Là, on est bon. Alors... Où est-ce qu'on va faire un pêcheur encore? Ah! Les Vikings arrivent, c'est la fin des haricots. Mais on a le temps de poser un autre. Quand même, rassure-moi. Ici, c'est pas mal. Pour en mettre un deuxième là. Ça serait bien. On va faire le chemin et on va voir comment ils arrivent. Je les vois arriver en masse, ça rigole pas du tout. En plus, c'est une zone de fer. Hop, hop. Mais ils sont en train d'attaquer la pointe. Oh mon dieu. Ah. Oh les saligots. C'est le débarquement, c'est le D-Day des Vikings. Oh, regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut bouger nos troupes? Parce que là, on est mal. Alors, les archers. Tout de suite. Ok, deuxième troupe. Ok. Troisième troupe. Allez, en avant Guingamp, on va voir si ça marche. Il y a tellement de trolls, il faut... Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Il y a un feu grégeois qui est là. Ah, c'est bien, on est en train de griller sur les pontons. Pouf. C'est bon. Les premiers feux ont fonctionné. Là, on est en train de les cueillir. Il va me casser la porte, il va me casser la porte. Là, s'il la casse, la cité... Je donne pas cher de la cité. Hein. Ils vont tous venir. Bah oui, il y a tellement de trésorerie.
Allez, faut le tuer le troll là. Viking détruit des murs, porte en pierre. Ah là 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 là. Attends, j'avais combien d'archers là? Il est où le troisième? J'avais trois compagnies d'archers. Pêche-toi. Monte. Voilà, le troll est mort. On va réparer en urgence, j'espère que ça va tenir. Oh là là, ils sont même pas tentés ici de venir piller, c'est incroyable. Et du coup, nous on les cueille ici, c'est parfait. Et le chariot il va passer? Le chariot passe, non mais... Ça c'est une belle bataille. C'est ça qu'on veut. Donc ici, il n'y a pas de percée pour l'instant. Ils font quoi? Ils vont contourner les remparts? Non, ils veulent forcer. C'est des murs en pierre. Vous pouvez pas mettre le feu. J'ai un archer qui attend là aussi. C'est parfait. La zone agricole est protégée. Ils ne peuvent pas rentrer. Les vikings sont embêtés. Il y en a partout. Ah là 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 là, ils m'ont ravagé ma défense en pierre. Mais c'était son rôle, hein. Occuper les drakkars. Il y en a encore. On est monté à combien là? On est à 137 drakkars. Voilà en plus l'orage. Oh, ils sont rentrés dans la ville. Ok, alors dans ces cas-là, nous on fait la fête partout. C'est pour le moral et on va surtout détruire pour pas qu'ils nous pillent. Je reconstruirai après. Je suis la main de Dieu, en quelque sorte. Je vais les bloquer. On fait des fêtes pour dépenser les sous, puisque en détruisant... Voilà, on est à 12 000. Petite fête. 11 600. Petite fête. Bah là, les gens vont être contents. Allez, encore un festival. Par ici, on a déjà vu. On avait fait un grand cimetière d'ailleurs, est-ce qu'il est prêt? Ah mais ça se remplit en plus là, regardez les bobies reviennent en masse, se faire enterrer. Est-ce qu'ils ont une place des fêtes par ici, à la capitale là? Ah, ici il y en a une petite. Trouvée. Et une autre ici, on est descendu à 10 000, c'est bien, on a dépensé 2 600. On revient à la grande invasion, notre chevalier est mort. Du coup, on va détruire ça. C'est pas une bonne idée, en fait, ici. Ça va les attirer. On va perdre des sous. Est-ce qu'on accepte de perdre des sous? Ils vont où exactement? Je sais qu'il y a un autre trésor public dans le coin. Ils sont attirés comme des mouches à miel. Ah bah, il est tout là-bas. Je l'ai vu. On le détruit. Voilà, et ce qu'on va faire à la place, on va les poser ailleurs. Dans la cité, on a de la place. On va les poser ici. Ils seraient obligés de venir casser. Comme ça, ça va bien les embêter. Ouais. Voilà, on va en faire trois là. Et on reprend la game. Et comme ça, on a fait un pied de nez aux vikings. Et comme par hasard, hop, ils s'en vont. L'IA est attirée par les trésors publics. Incroyable. Si tu veux que ta cité soit tranquille ici, bah hop. La porte se reconstruit, c'est bon. On va donner des ordres. On va essayer de tout reconstruire. Là c'est bon. Les drakkars, cassez-vous. On devrait plus avoir trop de lag là, ça devrait être bon. Là, il n'y a pas de dégâts.
Les Drakes vont pas tarder, alors faites-vous tuer. Ah bah là, ils vont s'alaminer entre les deux cités. Ils doivent être à portée de tir des arbalètes. Mais ouais, regarde, le jeu de massacre au milieu, là. Ici, c'est bon. J'ai cru entendre des combats d'épées, ça m'inquiète. Pourquoi ça? Il manque des maisons. Il faudrait qu'on construise, j'ai l'impression. On va essayer, tiens. Est-ce qu'on a un peu de place par ici? On en a un peu. On va faire des manoirs. Allez, c'est important. Il faut loger les bobies. Hop. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir mettre des choses sympas par ici? Alors, il n'y a pas d'eau, là. Je vois ça. On va faire un petit marché. Ça, c'est OK. On va mettre une petite bibliothèque. On va vraiment faire un petit confort de ville, là. Une clinique, ici. Et une autre fontaine pour le bonheur. Partout des fontaines, partout. Pourquoi tu n'as pas d'eau? Parce que tu es trop loin, d'accord. Allez, c'est parti. Et on viendra là pour installer la presse. On a fait des fêtes partout dans le royaume, donc du coup, la populace est arrivée. C'est un peu compliqué. Ah, ils ont longé le côté. Ouais, ils sont rentrés, mais bon. Ça va. Au final, on a tenu un peu. Et là, il y a des armées qui se promènent. Et ils ont fait du voyage, hein. Ils arrivent en terre du milieu, entre la capitale et la cité de fer. Et ils mettent le feu dans mon grenier, non! Ah là 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 là. Voilà, il n'y a pas de défense, là. Ils m'obligeraient à tout fermer. Je pense qu'on n'aurait pas trop le choix. Hein. Si ça continue à ce niveau-là... On verra, on laisse les champs cramés, ça a l'air de tenir. Non, ils se font tuer. On est impec. Ok, c'est les derniers. Bon. On va ramener la boussole à sa place. Et pour finir, on va surveiller. On avait des projets. Donc ici, il faut installer la Noria. Avoir de la fontaine pour éteindre les incendies, pour ne pas avoir de problème. On va voir après pour les douves. Allez, Bobby, bossez, bossez, bossez. Sortir un quartier de terre en urgence aussi pour ne pas perdre tous ces gens avant l'hiver. Vous pouvez le faire, les Bobby. Impeccable. Ah, il y a encore un sapin là qui gêne. Ah, est-ce que je peux poser? Et sinon... Ah, c'est trois terres, mais des fois ça peut. Hein. Là, ça peut. Là, non. Écoute, on va brancher l'aqueduc. Ça peut marcher. Hop, ce qui veut dire que le reste, je vais le casser. On va couper ça, voilà. On va récupérer les cailloux. On va laisser faire comme ça. Ici, c'est parfait. Des chômeurs, on en a plein. Du coup, on va faire une protection. On va faire des douves tout le long. On va donner des ordres. Histoire de les freiner un peu. On va me couper les forêts là. Ouais, ouais, on pourrait finir. On va protéger le château. À l'ancienne. Hop. Il y a tellement de bobies, ils vont bosser.
Ah, est-ce qui veut dire que là, il faudrait que je fasse un pont-levis? Et ici que je coupe un peu le bois. Parce qu'elle a pris une claque quand même, je vois bien les murs. Hein. 203 inactifs. On va continuer, on a de l'argent à dépenser. Voilà, ça va les occuper un petit peu. Là, à l'entrée, on va faire des grosses douves. Ça va vraiment bien défendre. Et on va nettoyer là. Mais ici, on n'est pas trop embêté en fait. Voilà, que se passe-t-il? Il n'y a pas de charbon! Il n'y a pas de quoi que ce soit. Le charbon est là. Ne vous plaignez pas, ça vient, on construit. En plus, vous avez droit à un petit marché, vous avez droit à tout. Plus de charbonniers. C'est possible. C'est possible que ça manque. On va en refaire. Allez, ce sera l'allée des charbons. Ils ont l'air d'être contents, il n'y a plus de croix rouge, ça a l'air d'aller mieux. Ouais, ça remplit, c'est bon. Et on laisse les drakes venir, ils attaquent toujours la cité. Mais c'est pas possible. L'IA n'aime pas du tout cette cité-là. Hein. Allez, vas-y, je vais rien te dire. La dame Barbara va nous protéger, la statue est là. Par ça. Oh là là, ça est chaud là. Alors, il y a juste eu la tour d'archer d'abîmer l'arbalète. C'est bon. Les drakes sont morts. Les douves, ça se fait. On va continuer. Ok. Eh bien, écoutez, pour une reprise en main, on est bien. Je trouve ça super top. C'est donc résistance douve. On va faire ça. On voit où ça cogne. On va commencer à faire ce qu'il faut autour des cités pour les ralentir le plus possible, les vikings, les empêcher de nous approcher, défendre notre cathédrale qui doit capturer d'ailleurs. Mais c'est peut-être pour ça qu'on a plein de gens. Peut-être qu'on a capturé plein de vikings. Ça a dû marcher. On avait dépassé un quota. Je pense que c'est ça. Merci YouTube. C'était le 33e. Docteur va bien. On va voir le prochain avec Twitch. Je vous dis à tout de suite. Et c'est la pause YouTube.